ma nounou. Non, c'est pas ma nounou, c'est qui? Qui ça? C'est ça, Lydia. C'est Noah. Ma nounou? Non, ma nounou est pas là, ma nounou fait dodo. Ça, c'est maman avec Noah. Coucou, Noah. Ma nounou? Non, ma nounou est pas là. Oui, ma nounou, est-ce que tu vois ma nounou? Elle est pas là, elle dort. C'est juste maman et Noah. Manou. Ah, ma nounou. Et hein. Ma nounou. Ma nounou est pas là, chérie. Ma nounou. Pas chez ma. On pas chercher ma nounou. Non, ma nounou dort. On attend. Non, non, on attend. Il va se réveiller. Oh. Salut, salut. Ce matin, je vous montre une petite vidéo de ma routine avec mes enfants. On est samedi matin, c'est une journée relax, pas de galerie. Moi, je ne vais pas au travail. Je suis maman de deux enfants en bas âge. Mon premier, il a 20 mois et le deuxième, il a eu 7 mois. C'est un peu comme ma routine le matin avec eux, quand on se lève, les petites activités que j'ai réussi à faire avec eux, même si c'est urgent. Ici, j'étais avec mon plus vieux parce que mon petit, il dormait encore. Là, ils sont en train de prendre le bain. J'ai profité pour me prendre le café. Fait que voilà, je ne vais pas parler beaucoup dans la vidéo. Je vais juste vous laisser voir qu'est-ce qu'on a fait comme activité avec les garçons. Fait que on se retrouve. Restez scotché. Là, je suis sortie avec mon fils, mes deux, pour la marche. Mon plus petit, il est dans la poussette. Mon plus vieux, c'est lui qui est en train de jouer. Là, j'ai couvert la poussette parce que il faisait un peu froid, mais pas, il faisait pas trop froid, mais il y avait du vent. Et mon plus petit, il s'est endormi. C'est que vu qu'il dormait, je me suis dit, bon, ça sert à rien de le laisser là, les yeux face au vent. J'ai couvert tout. Et puis là, c'est mon plus vieux, il était en train de s'amuser avec la neige. On allait dans un endroit tranquille où il n'y a pas de circulation. Là, il se baladait. Il y a comme des montagnes de neige partout. Il faisait le tour, il regardait. Il a même essayé de monter la colline. Il y avait une grosse boule de neige. Il a essayé de monter dessus parce qu'il a vu les autres enfants. Parce qu'il avait vu d'autres enfants monter quand on arrivait. Fait qu'il s'est dit, il va aussi aller monter. Il a essayé. Ça ne marchait pas vraiment. Il a essayé encore. Ça ne marchait pas. Finalement, il a abandonné. Comme je vous disais avec les enfants, j'ai fait une vidéo où je disais que c'est vraiment important de laisser les enfants explorer. De laisser les enfants faire vraiment les choses qu'ils veulent faire tant que leur santé et leur sécurité n'est pas permis. Là, je l'ai laissé monter parce que si je m'étais acharnée à lui dire non, 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 je l'ai laissé monter. Puis à un moment donné, lui-même, il s'est rendu compte qu'il n'était pas capable. C'est ça. On a fait une marche, on est rentré. Les garçons ont pris à manger. C'était vraiment un samedi relax, tranquille. Fait que regarde la vidéo jusqu'à la fin. Et puis dis-moi, qu'est-ce que toi tu fais avec tes enfants le week-end? Va chercher ton jouet. Maman t'attend, d'accord? Je suis là, je t'attends. Vas-y, va chercher. Bravo! Bravo! Viens! Tu prends un peu ton jouet? Oui! Tu veux tout ça? Non, ok, non. On y va, chérie. Bye.
Vas-y, vas-y, maman est là. On va à la maison. On va à la maison. Regarde, ma nono pleure. Ma nono. Viens, ma nono s'est réveillée. Écoute. Ma nono, viens, allez. Viens, chérie, ma nono. Bon, ici, on avait fini la marche. C'était l'heure du dîner. Je suis rentrée avec les garçons, puis je les fais manger. Ça, c'est mon pilier qui mangeait. Je fais des pommes pilées. C'est que ceux qui sont camerounais vont comprendre. C'est comme les pommes de terre avec du haricot qu'on broue et on pile. On met de l'huile rouge, un peu d'oignon, et puis c'est ça. Fait que moi, mes enfants, je les apprends vraiment dès le bas âge à manger les repas africains. Parce que moi, mon garçon, il sait que le repas que je propose, c'est le repas qu'on mange. Je ne fais pas le menu pour enfants, non. Le plus souvent, c'est vraiment un menu pour tout le monde. C'est ça. Fait que là, ils avaient fini de manger. Ils étaient en train de je les laisse jouer un moment encore ensemble. Ben, c'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment ensemble. L'autre, chacun fait ses affaires. Mais je les laisse le temps de jouer un peu. Parce que parfois, ils vont faire caca, fait que je vais avoir le temps de changer avant. Pendant ce temps, moi, je profite pour faire ma vaisselle. Ça, c'est le coin de jeu de mon garçon. Je vais essayer de faire une petite vidéo, ce que je vous présente un peu, le coin de jeu. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le coin de jeu pour enfants et tout. Comme moi, je pense aussi, vous pouvez savoir, mon fils, il regarde pas vraiment beaucoup la télé. Fait que moi, je m'optimise sur les jouets, tout ce qui est jouets de manipulation. Il y a beaucoup de gens qui arrivent chez moi qui me demandent « Ah, tous ces jouets-là, c'est vraiment pour un enfant. Ah, tout ton salon est rempli de jouets. Oh, ça ne fait pas beau. » Moi, j'ai dit, pour le moment, j'ai les enfants en bas âge. Fait que vraiment, pour moi, la priorité, ce n'est pas d'avoir un salon luxueux ou bien un salon. Quand je vais avoir les enfants plus grands, je vais m'organiser à avoir un salon plus, je ne sais pas. Bien, quand je vais changer de maison, je vais pour les enfants, là ils vont avoir le coin du jour pour pouvoir aménager mon salon. Pour le moment, vraiment, c'est plus l'espace, c'est plus pour mes enfants. C'est ça. Après avoir joué un peu, j'étais en train de ranger les choses comme je disais, et puis je rangeais les couches. Et là, il y a comme les cartons de couches. Mon plus vieux, il a voulu entrer pour jouer à l'intérieur. Je l'ai laissé faire. Puis il a demandé aussi que je mette son frère. Fait que j'avais un deuxième carton. Lui aussi, il est allé à l'intérieur. Mais on a passé comme 5-15 minutes avec ça. Ils étaient vraiment contents. Comme je vous ai dit, moi, je laisse vraiment mes enfants un peu essayer de jouer à tout ce qui, comme tout ce qui touche leur imagination. Quand un enfant voit quelque chose, c'est pas vrai. Je me rends compte que bon, j'ai le temps de faire la santé. Parce que l'enfant est pas touché, fait que moi je le fais avec surveillance. Au lieu de lui dire non, passer 3 heures de temps, bien passer du temps, gaspiller du temps pour ça, fait que je préfère le faire avec eux. Ici, les garçons étaient couchés, fait que j'ai profité pour manger mon bol de salade. C'est ça, fait que c'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé. On se retrouve une prochaine fois.